Ésaïe 9, verset 5. Gloire à Jésus-Christ. Les mets beaucoup dans la joie maintenant. Les mensonges sont finis, les mensonges sont finis. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant qui était n'est-ce qui? Jésus-Christ. On voit que déjà on voit les princes de paix, on voit El Shaddai qui est là, Dieu tout-puissant, on voit le Père éternel, tout ça c'est des attributs. Tous les attributs des noms de Dieu se retrouvent dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons que toutes ces raisons montrent qu'il est important les enfants de Dieu comprennent comment invoquer les dieux de Dieu. Et quand ils invoquent ces noms, qui ils invoquent, quel attribut de Dieu qu'ils veulent voir dans leur vie s'accomplir. Alléluia. C'est très, très important. Amen. Vous voyez que dans les noms qui ont été donnés par rapport à ce que Dieu a fait à l'homme, chaque fois c'est l'homme qui a reçu la révélation du nom par rapport à ce que Dieu avait accompli. Que ce soit Moïse avec Amalek, que ce soit Gédéon, que ce soit Abraham, tous ont reçu le nom par rapport à ce que Dieu a accompli. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, amen. Donc, nous voyons que, c'est, comme je disais à l'introduction, la révélation de Dieu, d'un Dieu qui s'est caché, d'un Dieu qui s'appelait Jésus, celui qui suit, il est venu se révéler progressivement d'être un Dieu que nous pouvions voir en Jésus-Christ. Mais comment tu peux dire que ce Dieu-là ne peut pas être? Pourquoi Dieu a-t-il donné le nom? Amen. Comment tu peux dire que Dieu est loin? Comment tu peux dire que Dieu ne t'aime pas? Comment tu peux dire vraiment que Dieu n'est pas là pour toi? Amen. D'un Dieu qui était caché, qu'on pouvait même pas citer son nom, il te donne la permission de dire l'appeler ton père. Quel est cet enfant qui peut appeler ton papa? Hein? Ils savent qu'il faut des bêtises les plus graves. Des fois, il va se cacher pendant des semaines, puis il dit papa, venant toujours vers papa. C'est extrêmement important. Amen. Si nous, on pouvait être condescendants avec notre Père, comment notre Père Céleste ne peut pas être un Père qui nous pardonne? Jésus a enseigné la parabole de l'enfant prodigue. C'est un enfant qui était loin. Il a tout gaspillé avec les prostituées et toute sa nourriture. Ses amis qui étaient. Il avait beaucoup d'amis quand il avait l'argent, bien sûr. Tout son fruit, il s'est retrouvé avec des cochons dans la bergerie. Là, il s'est souvenu qu'il avait un Père. Et il est revenu. Est-ce que le Père l'avait rejeté? Non. Amen. C'est un peu dans l'introduction, c'est des choses que nous allons voir en profondeur, comment c'est l'amour de Dieu se manifeste à travers ce nom. Amen. Si Dieu s'est donné un nom, c'est pour que les gens les reconnaissent et qu'ils ne confondent pas avec d'autres dieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous commençons maintenant donc. Oh mon chica, je vais encore revenir sur le titre biblique parce que quand vous avez des questions posées à le titre biblique, alléluia. Amen. Les noms de Dieu qui révèlent ce que Dieu est par rapport à lui-même. Les noms qui nous sont nécessaires dans l'adoration, dans la louange. Amen. Les noms qui nous expriment à nous l'amour de Dieu et les merveillements que nous avons demandé, de sa splendeur. Alléluia. Quand tu es assis comme hier, oh, je vous conseille, c'est cette radio-là, quand vous dormez, la radio juive messianique, c'est les WFS, je ne vois même pas email. Oh, les louanges en esprit, les louanges en hébreu, remplies d'onction. Hier, Michel était agité. L'esprit dit, tu ne pries même pas. Prends juste ton dashboard, mets, etc. J'ai mis la radio pendant 10 minutes, il s'endort. Tu sens une puissance qui est venu sur moi, même qui m'a réservé jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Donc, il y a des nouvelles. Et puis, c'est tombé juste.
J'entends tous les noms là, sortaient dans les louanges, tous les noms que j'étais en train de préparer le message, sortaient dans les louanges, ils chantaient en hébreu, en anglais, il y a des choses que je ne comprenais pas. Alléluia. Alléluia. C'est ces noms-là, les noms de ton amour envers ton Dieu. Beaucoup de appels n'ont plus ça. Les requêtes les aient tellement contraintes. Dieu, j'attends. Où est la chose? C'est pas à quoi arriver. Et j'ai pris, j'ai gêné. Et j'ai pris, j'ai gêné. Tout le temps, j'ai pris, j'ai gêné. Et la chose n'arrive pas. Et puis, on cherche encore. Et puis, il n'y a pas de temps d'adoration. Il n'y a pas de temps d'intimité avec ton Dieu. Je t'aime. Je vais être pour toi. Je suis là. Je vais sentir. Non pas seulement spirituel, mais tangiblement dans mon corps, dans cette chambre, dans le lieu où je suis, la tâche de apprendre. Je vais être en intimité avec toi, sans rien demander. C'est ce nom-là qu'il fallait évoquer. Alléluia. Amen. J'ai commencé par les noms les plus compliqués, parce que les faux enseignements de New Age utilisent ce nom-là. Les faux enseignements, les ceux qui vont sur les extraterrestres utilisent ce nom-là. Ils se prennent la Bible pour les permettre. C'est moi, je voulais en même temps, je vous enseigne les noms, je vous montre aussi ce qu'est la société aujourd'hui. Hein, la fausse créativité est entrée partout. Alléluia. Les premiers noms que nous allons voir, au lieu d'avoir des voix l'éternel, les premiers que nous voyons, c'est Elohim. Elohim. C'est Sylvie, littéralement, l'être très fort. Amen. Amen. Elohim. Amen. Elohim. Elohim. Amen. La divinité, Elohim, Elohim, Lama, Sabbatai. Amen. Amen. L'être très fort, le Dieu tout-puissant. Je vais enseigner tout ça parce que les New Age utilisent ça pour dire aux enfants de Dieu, vous aussi vous êtes des petits dieux et beaucoup de choses. Amen. Et puis c'est le nom qui est le nom révélateur de ce que, comme le président me pose toujours la question, est-ce qu'il y a trois personnes en Dieu? Et est-ce qu'il y a trois dieux? J'ai dit, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste de trois façons. Amen. C'est le nom qui exprime les trois expressions de Dieu. En termes, les catholiques disent trois personnes en Dieu. Ça se trouve dans ce nom-là. Alléluia. Le mot Elohim, c'est au pluriel en hébreu. Son seul qui s'appelle Eloah. C'est le Dieu avec un petit D. C'est le Dieu, il y avait des dieux. Vous voyez, il y a des dieux, des petits dieux là. Ça s'appelle Elohim. Elohim, c'est au pluriel. Alors, c'est pourquoi les gens de New Age disent, non, il y a plusieurs êtres en haut là. Non, il y a un seul Dieu. Vous savez, le nom Elohim est utilisé au pluriel et le verbe qui suit est comme au singulier. Alors, les gens sont dans la confusion. Alors, les gens qui étudient le français en France, ils peuvent dire, non, c'est le pluriel de majesté. Pourquoi c'est le pluriel de majesté? Ah, vous aussi. Vous ne connaissez pas le pluriel de majesté? Quand tu vas voir un roi, quand tu vas voir ton papa, là, tu les vous vois. Voilà. C'est ça qu'on appelle le pluriel de majesté. Et les gens dans il y en a qui croient que c'est donc, on veut juste, vous voyez Dieu. Non, 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 non. Ça veut dire exactement plusieurs dimensions de Dieu. Au moins trois dimensions de Dieu. Allez, amen. Elohim. Amen. C'est le nom de la personne de Dieu. Comment dire? C'est la personne de Dieu. Tu vois, la personne de Dieu a trois expressions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prenons Genèse chapitre 1. Oh, chercher ma rocochique. Eh, le temps de paix, là. Je me sens bien, c'est pas dit cette oppression-là. La chimie allait me tuer, mais la chimie n'a pas pris raison de moi. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 1. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Le Dieu créa le ciel et la terre. Là. Quand vous allez en hébreu, c'est écrit Elohim. Dans la Bible en hébreu, vous allez voir, c'est écrit Elohim. Mais en hébreu, c'est au pluriel. Or, les histoires des vous des majestés, là, c'est très récent à la Renaissance française. Là. Que le roi a commencé à le vous voyez, c'est très récent. Ce n'est pas des choses anciennes. Alléluia. Donc, ce n'est pas des vouvoiements, c'est au pluriel. Mais, c'est traduit dans. Quand vous allez lire dans les Bibles d'études, ou bien vous allez voir que c'est Elohim. Donc, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Nous prenons encore une autre dimension d'Elohim.
Amen. Je dis que c'est, ça, c'est le nom de, par rapport à ce que Dieu est lui-même. Par rapport à ce que nous devons comprendre de Dieu. La dimension de Dieu. Alléluia. Par rapport à ce nom que nous allons utiliser quand nous adorons Dieu. Ce n'est même pas toi qui vas exprimer, parce que l'adoration, qui conduit l'adoration? Le Saint-Esprit. Tu entends le Saint-Esprit sortir Elohim dans ta bouche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et, amen. Et Genèse 1, verset 26. Nous voyons là la grande expression aussi de Elohim. Amen. 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 Le verset d'abord, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails de son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Elohim dit, faisons l'homme à notre image. J'ai beaucoup de questions, c'est difficile de me créer, j'ai l'expression. Alléluia. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du terre, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails de la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Voyez le verset 26 et 27. Faisons l'homme. Et puis Dieu créa l'homme. Amen. Voilà pourquoi le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais c'est une expression biblique de montrer qu'il y a trois expressions de Dieu. Alléluia. C'est le mot Elohim. Amen. C'est le Dieu très fort. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va au Koshima la Kamandakaya. Koshima la Kemerasanda la Kashia. Au Reverasaka. Donc, vous voyez que dès la création, Jésus-Christ était là. Le Saint-Esprit était là. Le Père était là. Revenons encore à Genèse chapitre 1. Oh mon Dieu. Alléluia. Au verset 2, la terre était informe. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Elohim dit, que la lumière soit, la lumière fut. Qui était au commencement? Au commencement, il y avait Dieu, et puis il y avait la parole, et puis il y avait l'Esprit. Amen. Quand vous allez dans Genèse, j'ai juste entré dans la profondeur des noms d'Elohim. Amen. Vous allez dans Jean chapitre 1, verset 1, rapidement, au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Vous commencez avec la parole était là, Dieu dans sa grande dimension était là. Amen. C'est Dieu dans ses trois grandes dimensions était présent. Je souligne encore, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Il y a le Père, il y a le Fils qui est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu en opération depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que faisons l'homme, donc, c'est Elohim qui a créé l'homme. Dieu dans ses dimensions. Alléluia. Pas toi. Amen. Amen. C'est avec l'intelligence des hommes, tu ne vas pas comprendre. C'est là que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, toi qui vas suivre cet enseignement. Alléluia. Amen. Le but est simplement de comprendre dans ton adoration. C'est le nom d'adoration. Quand tu adores Dieu, c'est cette beauté de voir trois personnes en Dieu, les gens ne comprennent pas ça. Nicodème n'a pas compris ça. Les gens n'ont pas compris. Même s'il faut comprendre, il faut que le Saint-Esprit te révèle qui est Dieu, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors j'ai discuté avec un musulman, j'enseigne un Dieu, jusqu'à je crois qu'on va le voir ici. C'est mon vendeur de carburant dans les stations, je prends. C'est moi, je ne change pas d'endroit. Si je prends un carburant, c'est toujours au même endroit. Quand j'ai